Ne laisse pas la victimisation des femmes te faire perdre le nord. Ne laisse pas la victimisation des femmes passer, garde ton nom, les gens te regardent d'un certain œil. Ça a fait que ça va te briser intérieurement. Forge un moral d'acier. Parce que la première chose que les gens veulent briser, c'est ton moral, c'est ton mental. Une fois qu'ils ont brisé ça, ils t'ont eu, frère. Faut jamais les laisser te briser. Stay focused. Faut jamais les... Les gars, je vous parle de quoi aujourd'hui? Je vous parle de la victimisation, les femmes et la victimisation. Mais avant là, likez la vidéo, commentez, laissez-moi savoir ce que vous pensez et tout. En fait, il faut que vous compreniez que la victimisation là, c'est comme ça que toutes les femmes fonctionnent, frérot. Toutes les femmes sont des victimes. Même les gros qui m'ont fait du mal, qui ont fait des trucs bizarres, qui m'ont fait des trucs bizarres. Quand on leur demande là, elles disent que c'est moi, je suis mauvais. Même tes ex là, quand on leur demande là, elles disent quoi? Bon, c'est jamais leur faute. C'est jamais leur faute. Faut regarder, faut bien regarder. Regarde dans tes relations passées. Demande au go hein, qui tu as essayé de sortir, qui ont commencé à te parler de leur ex. C'est parce que son ex faisait tant qu'elle a fait tant. C'est parce que son ex faisait tant qu'elle a fait tant en fait. En fait, elles n'ont jamais rien fait. C'est-à-dire que tous les ex des gars qui sont sur la terre étaient toxiques. Elles étaient des anges. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, en fait. Mais il ne faut pas que, en fait, tu achètes ça. Il ne faut pas que tu achètes ça. Parce que toutes les femmes ne sont pas des victimes. Elles, à chaque fois qu'il y a une rupture, elle va vouloir, en fait, peindre son ex en tant qu'un méchant. Peine son ex en tant que toxique. Peine son ex en tant que il est ci, il est ça. Pourquoi? Parce que en fait, il faut qu'elle salisse l'ex pour pouvoir se laver. Il faut qu'elle salisse son gars pour pouvoir se laver. Pourquoi est-ce que quand une femme en fait commence à te parler, je vous l'ai dit, quand une femme commence à mal te parler de son gars, elle commence à te parler de son gars, elle est en relation avec son gars, elle commence à mal te parler de ce gars là. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que elle est intéressée par toi. Je vous explique le mécanisme. C'est qu'elle est intéressée par toi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de se donner des raisons. Tu vois, le gars n'a rien fait, frère. Le gars n'a rien fait. Elle est en train de se donner des raisons dans sa tête, en fait, de pourquoi elle doit coucher avec toi. Pour pouvoir se sentir à l'aise. C'est sa conscience qu'elle lave, en fait. Tu vois un peu? Donc, elle va te dire que non, mon ex était comme ci, mon ex était comme ça, mon ex m'a fait ça. Et si par malheur, tu l'as déjà trompé et puis elle t'a attrapé, tu es mort là, même là. Faut savoir qu'elle s'en fout même. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle procède. C'est comme ça qu'elle font, c'est comme ça qu'elle se victimise. Donc, à chaque fois que tu vois un gars qui commence à te parler mal de son gars, mal de son ex, faut avoir l'oreille en fait attentive. Faut avoir la genre, faut être sur tes gardes pour entendre ce qu'elle va te dire, elle est en train de se victimiser. Mais quand tu as regardé les messages que le gars lui envoie, tu vas voir que le gars est en train de lui dire, ah, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? C'est elle qui agit mal dans la relation. C'est elle qui agit mal dans la relation. Mais elle sait que si elle dit, en fait, moi, il me fait ci, il me fait ça, automatiquement, les bêtas et ses copines vont commencer à la protéger, vont commencer à la soutenir, vont commencer à dire oui, tu as raison. Parce qu'une femme qui pleure, une femme qui est triste, est toujours un objet de faiblesse pour les bêtas ou un objet de faiblesse pour les autres femmes. Parce que les femmes sont dans la même team. Claire. Arrêtez de penser que les gars sont dans votre team. Quand ta go te fait des bêtises et puis tu t'en racontes à sa copine que ah, Alicia a fait ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Elle va te dire c'est pas normal. Mais là, quand elles vont se revoir, elle va lui dire, toi aussi t'as fait qu'elle t'a attrapé. Toi aussi t'as fait qu'elle t'a attrapé. Elles sont pas de ton côté, frère. C'est moi aussi de ton côté. Elles sont pas de ton côté. Les femmes sont dans la même équipe. Elles sont dans la même équipe. Elles se cachent pour faire les choses. Si elle l'a trompé, si elle t'a trompé, ses copines vont couvrir. Si elle t'a trompé, ses copines vont couvrir. Ils vont te faire passer pour le méchant, pour que son image soit lavée. Ils vont tout, elles vont toujours faire ça. Faut que tu comprennes. Ne tombez pas en fait pour les pièges des femmes là. Non, ne tombez pas pour les pièges des femmes. Une fois qu'une femme se victimise là, faut commencer à avoir l'oreille attentive parce qu'elle va te faire la même chose. En fait, le truc c'est que quand un gars commence à tromper son gars et toi, tu te prends pour un super héros. En fait, c'est ça, tu te prends pour un super héros. Tu penses que tu as un super pouvoir. Mais après ça, tu vas voir qu'en fait, il y a quelqu'un qui a un super pouvoir qui a te fait la même chose.
Pourquoi en fait? Parce que personne d'entre vous n'a les super pouvoirs. Le super héros de l'enfer, c'est elle. C'est elle qui est le super héros. Parce qu'elle vous joue à votre esprit. Elle joue ici, elle joue là-bas. Elle ne fait que sauter des kiki en kiki. C'est un super héros. C'est un super héros. Il n'y a que des super héros pour sauter comme ça à chaque 5 minutes des kiki en kiki. Kiki girl. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est un peu ça, mon gars. C'est un peu ça. Faut être éveillé. Faut être éveillé. C'est leur mode de mécanisme, leur mode de fonctionnement, la manipulation, la victimisation. C'est comme ça. Faut pas que tu achètes ça. Faut pas que tu achètes ça. Faut être difficile à manipuler. Et faut pas penser en fait que non, c'est juste les femmes avec lesquelles tu es en relation. Non, c'est pas seulement les femmes avec lesquelles tu es en relation. Il y a des femmes qui, même tu peux croiser une femme dans la rue, elle va mal te parler et puis tu as commencé à lui parler aussi, lui répondre. Quand les gens vont s'attrouper autour de vous, elle va commencer à dire, mais je n'ai rien fait, c'est comme ça, les enfants là sont impolis. Elle va pas vous dire en fait ce qu'elle a fait pour que l'enfant lui parle comme ça. C'est comme ça que les femmes sont. C'est l'homme, elles sont toujours en train de se jouer les victimes. Quand elles arrivent à un âge avancé, même c'est mort même. C'est mort, c'est leur mode de mécanisme, la victimisation. Il faut que tu sois immunisé contre ça. Il faut que tu sois immunisé contre ça. Elle dit c'est merde, et puis tu écoutes, tu sais que c'est une menteuse qu'elle raconte sa vie. Là, qu'on la mente. En fait, vous pensez que non, quand elle vous parle, quand elle vous dit des choses, le mensonge, c'est la femme qui a créé. Il n'y a pas plus menteuse que les gars. Elle ment, elle vous manipule, elle ment. Tu peux attraper ta copine en train de coucher avec un gars, et puis elle va te dire que non, c'est parce que tu es ceci, tu es passé, c'est cela. Parce qu'elle va toujours trouver un moyen, une échappatoire pour s'en aller. Il faut que tu lui fasses prendre ses responsabilités. Mais ce n'est pas dans sa nature de prendre ses responsabilités. Ouais. Dans ce monde-là, les femmes ne veulent pas prendre les responsabilités pour ce qu'elles font. Si une femme te trompe, c'est ta faute. Si une femme te trompe, c'est ta faute. Si une femme t'a fait ci, c'est ta faute. Souvent, il y a faute. C'est parce que l'homme agit mal. C'est parce que l'homme agit mal. Parce que aussi, la femme est le reflet direct de l'homme qui est en face d'elle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une même femme peut être une mauvaise femme avec un homme, mais avec toi, elle est une bonne femme parce que quoi, tu sais agir. Et si elle comprend ça, elle va se tenir droit. Tu comprends un peu? Mais il y a des femmes qui ont des tendances en fait de menteuses, qui ont des tendances de victimes. C'est leur jeu préféré. Elles là, elles ne font qu'avancer comme ça. C'est comme ça, elles sont faites. Tu peux pas changer ce genre de femmes là. Tu peux pas changer ce genre de femme là. Je vous dis, je fais que vous répétez. Les gars qui sont avec des go et puis elles font ci, elles font ça, elles te disent non, elle va changer. Bon, elle va changer pour 2 semaines. Bon, elle va changer pour 2 semaines. Dans 3 semaines, tu vas m'appeler encore pour me dire que non, elle a repris encore. Elle te dit fais les mêmes techniques. Tu as fait ça, marché, elle va revenir encore. 3 semaines après, elle va faire encore. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas la personne là. Elle n'est pas la personne que tu cherches en fait. Arrête de vouloir changer celle-là. Un truc, une princesse. Elle n'est pas une princesse, c'est une bouclée. Oh. Voilà. Elle n'est pas une princesse, c'est une bouclée. Faut chercher à rencontrer ta vraie princesse. Parce qu'il y a des vraies princesses. Il y a des gars qui sont calmes. Il y a des gars qui sont bien. Il y a des gars qui se comportent bien. Elles ont cette nature féminine en elles. Il y a encore ce genre de femmes-là. Il y a encore ce genre de femmes-là. Mais c'est pas la folasse qui te raconte sa vie, qui te dit va changer 2 semaines après, puis tu vois dans son portable encore elle est en train de causer avec Kevin. C'est pas elle. C'est pas elle. Elle, c'est une menteuse, donc tu dois te libérer. Et c'est ça que les gars n'arrivent pas à faire. Parce que ça fait 2 ans que tu es attaché à elle, donc tu préfères souffrir que de te libérer d'elle. Débarrasse-toi d'elle. Débarrasse-toi d'elle. Voilà, quand vous avez été débarrassé d'elle, elle va commencer à te détester. Parce que là, tu n'arrives plus, elle n'arrive plus à te manipuler. C'est là qu'elle se victimise. C'est là qu'elle se victimise. Parce que remarquez, quand un homme coupe les ponts avec une femme, elle pleure. Il énerve. Faut bien remarquer, c'est quand tu la quittes que tu l'énerves. C'est quand tu la quittes qu'elle pleure. C'est quand tu la quittes qu'elle raconte sa vie sur toi. Pourquoi? Parce que ça brise son ego, ça lui fait mal. Ça fait qu'elle ne peut plus te manipuler. Quand la femme ne peut plus te manipuler, c'est là qu'elle te déteste. Mais quelque part, elle t'aime. Mais quelque part, elle t'aime. Mais si c'est elle qui te laisse, quand elle te laisse, qu'est-ce qui se passe? Elle monte du brunch. Elle dit à son gars là-bas que non, mon ex, mon gars là, il est comme ci, il est comme ça. Jusqu'à, elle commence à s'attacher émotionnellement à lui. Et puis, elle t'oublie. Elle s'en bat les couilles de toi. Quand c'est comme ça, il n'y a pas parlable. C'est toi qui forces pour vouloir revenir vers elle. Elle a passé à autre chose. Elle ne te déteste pas, frère. Dans cette situation-là, elle ne te déteste pas. Quand elle te déteste, c'est quand toi tu l'as quitté, tu dis non, il y en a marre de toutes tes histoires de manipulation. C'est là qu'elle te déteste.
C'est là qu'elle dit aux gens que non, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est là qu'elle va vouloir prendre ton enfant. C'est là qu'elle va vouloir te contrôler par un moyen que tu lui as ouvert. C'est comme ça qu'elles agissent. Faut jamais te soucier de ce que tes ex disent sur toi. C'est les menteuses. Si tu veux savoir une go comment elle est, faut regarder ses ex. Faut regarder ses ex. C'est ce genre de personnes qu'elle aime. C'est ce genre de personnes qu'elle aime. Elle va te quitter, elle va aller sortir un mort qui peut rien créer. T'as ce pays, tu es embrouillé. Sinon, elle va aller sortir un mort qui peut rien créer. Si tu comprends ce qu'elle te dit, tu vas voir que tous les morts qu'elle va aller sortir, ce ne sont que des bêtas accomplis. Tu n'as pas à être embrouillé par rapport à eux. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'en foutre et de travailler, mon frère. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'en as rien à foutre de ce qu'elles disent. Les femmes m'ont toujours dit des merdes sur leurs ex. Les femmes m'ont toujours dit des merdes sur leurs ex. Elles vont toujours blâmer les ex. Elles vont toujours blâmer les hommes. Aujourd'hui, dans cette société-là, les femmes te blâment. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu comprends leur nature. Est-ce que ici, là, il dit aux gens... Est-ce que ici, il dit aux gens de détester les femmes? Il ne dit pas aux gens de détester les femmes. Je révèle juste, en fait, ce que les femmes font que plein de personnes ne savent pas. Il n'a jamais dit à quelqu'un de détester une femme. Il a toujours dit aux gens, aimez les femmes. Juste ne laissez pas les femmes vous manipuler. C'est tout ce qu'il dit. Mais je déteste, les femmes n'aiment pas ma tête pour ça. Mais il n'en est rien à foutre. Mais il n'en est rien à foutre. Parce que aussi, il y a des femmes qui avertissent les autres femmes sur des mauvais hommes. Parce que les deux côtés sont mauvais. Hein. Les deux côtés sont mauvais. Il y a des hommes aussi qui font des trucs méchants, en fait. Voilà. Mais là, pourquoi pour les femmes, on ne peut pas dire? Pourquoi pour les femmes, on ne peut pas dire? On peut dire, moi il dit. On peut dire. Voilà. Dites donc tout. Voilà. Elle peut rien créer. Commencez à vous ouvrir l'esprit sur ça. Ne laissez pas les femmes vous manipuler. Depuis 14 ans, 15 ans, 10 ans, 16 ans, jusqu'à 45 ans, c'est des manipulatrices. C'est des manipulatrices. Et ne vous laissez pas manipuler. Parce qu'une seule femme peut détruire toute ta vie. Frère, une seule femme peut détruire toute ta vie. Et il y a des bêtas dans les commentaires. Je vous ai dit, vous me parlez mal, vous insultez. Il n'y a pas de bruit. Tu me parles mal ici, il t'insulte. Paye, c'est pas la seule chaîne. Tu peux regarder puis tu dégages. Tu n'es pas obligé de commenter. Tu me commandes des merdes, de te renvoie des merdes. Les gars, arrêtez de me dire non, faut pas répondre à ce genre de choses. Il y a des clowns à qui on doit répondre. Il y a des imbéciles à qui on doit répondre. Parce que si tu es venu, tu es tombé sur une seule vidéo, que tu viens à cause de la vidéo, tu n'as rien compris, tu commences à m'insulter. Viens t'insulter, frère. On est sur Internet. Si on se voit, tu m'arrêtes. Voilà. Donc comprenez, les gars, arrêtez de vous laisser mener en bateau, mener en bateau, mener en bateau. Dans cette société-là, les gens veulent jouer avec toi. Les gens veulent jouer avec toi. Les femmes veulent jouer avec toi. Elles veulent dire que tu es mauvais. En tant que tu sais que tu n'es pas mauvais. En tant que tu sais que tu as tout fait pour la maudite. En tant que tu sais que tu as fait tant, tu as pris ton travail pour payer ses études. Tu sais que tu as pris tant pour payer ses études, mais son hypergamie a trouvé mieux. Elle est partie. Tu l'as laissée tranquille. Mais elle ne veut pas, en fait, accepter qu'elle ne peut plus avoir accès à toi. Ça, elle n'accepte pas. Donc, elle doit gâter ton nom. Elle doit gâter ton nom. Ça, tu n'en as rien à foutre, frère. Travaille. Frère, travaille. C'est le dernier mot. Travaille. Travaille. La victimisation des femmes, une fois que tu as compris, tu n'en as rien à cirer. Travaille. Travaille, mais seulement qu'elles ne peuvent pas te manipuler. Voilà, elles ne peuvent pas te manipuler. Et les bêtas aussi sont comme ça. Ils se jouent les victimes. Ah, elle m'a fait du mal, hein. J'ai mal. Frère, on n'en a rien à foutre. Faut travailler. Travaille. Tu n'es pas le seul ici à qui ils ont fait du mal. Tous ceux qui regardent la chaîne, là, il y a beaucoup dedans à qui ils ont fait du mal. Si on ne l'a pas encore fait, ça vient devant, mais ils vont leur faire du mal. Donc, tu n'es pas le seul. Arrête de te victimiser. Parce que quand tu te victimises, tu agis comme une femme. Les gars disent non, de raconter quelle histoire. C'est la même histoire que tu as vécue, c'est ça, elle est vécue. Quand tu es gentil et puis on te montre ça, c'est ça, elle est vécue. On a tous souffert. Voilà. Ce que tu as vécu, c'est la même chose, elle est vécue. Tous ceux qui sont ici, c'est la même chose, ils ont vécu. Donc, faut pas chercher à comprendre. C'est la même chose, mais ne laisse pas la victimisation des femmes te faire perdre le nom. Ne laisse pas la victimisation des femmes parce que garde ton nom, les gens te regardent d'un certain œil. Ça fait que ça va te briser intérieurement. Forge un moral d'acier. Parce que la première chose que les gens veulent briser, c'est ton moral, c'est ton mental. Une fois qu'ils ont brisé ça, ils t'ont eu, frère. Faut jamais les laisser te briser. Stay focused. Faut jamais les laisser te briser. Ils vont essayer de te briser. Faut pas les laisser te briser. Faut continuer dans ton travail. Faut continuer dans ce que tu as à faire. Laisse les femmes. Laisse les garçons qui agissent comme les femmes. Je vous ai dit, garçons qui agissent comme femmes, femmes qui agissent comme garçons, les deux, les éloignez vous deux. Tant, voilà, buvez de l'eau. Voilà, buvez l'eau, les gars. On est ensemble, non? Voilà.